16 décembre 2019. La vidéo s'intitule « Qu'est-ce qu'un député ?» sur une marche funèbre. Allons-y. L'étymologie de député vient du latin deputatus, envoyé, délégué. Un député est un membre d'une députation. Un groupe chargé par une nation, une assemblée, pour une mission particulière. Particulière, n'est-ce pas? Vous retenez. Bon, mettons les choses au clair. Ne supprimez jamais les accents de député sur un mail. C'est très indélicat. Vous voilà averti, hein? Bien. Du latin deputatus. Oui, mais ne désolidarisez pas le deputatif. Parce que le de deputatus, les ignorants pourraient penser en désolidarisant que ce serait peut-être un souteneur. Quelle erreur! Ne jouons pas sur les mots. Un député ne sait jamais dire non à ses électeurs, excepté lorsque tous crient à l'unisson « Nous n'en voulons pas !» Un député ne porte pas des gants, bien qu'il serre des milliers de mains. Non, bien sûr. Mais il prend soin, le coquin, de les glycériner pour les rendre plus fine, plus souple au contact, et de les embaumer, surtout devant un public féminin. Ainsi, la jambe féminine, à l'odorat affûté, en garde un très bon souvenir. Comment savoir? C'est peut-être ringard. Comment savoir? Mais si vous voulez savoir quelle est sa tendance, regardez le marché. De gauche, le député de gauche. De gauche, le député claudique du pied droit. De droite, il boite du membre gauche. Si la route est bombée, au centre, il boitille, suivant le vent. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Eh bien oui, bien sûr, il y a le déport. Vous ne pourrez en voir marcher les jambes écartées, écarquillées. La marche entre parenthèses, si vous voulez. Pas assez gonflé pour être gêné. Je parle des attributs. Ne marchent ainsi que les cavaliers et les courageux. Enfin, ceux qui n'ont peur de rien. Les députés ont peur, non pas de leur ombre, mais de l'ombre du bulletin. Le député, je coupe la musique et je continue. Le député sait très bien que ses discours n'engagent que ceux qui les écoutent. Les promesses se sèment au gré des vents, mais ne se récoltent pas. Ou sont semblables à un feu. Elles tiennent chaud un instant, puis finissent par partir en fumée. Ils savent que les plus avertis connaissent ces phrases révélatrices. Rusés, nos députés savent fort bien que le pire mal n'est pas de ne pas tenir ses promesses. Non. C'est d'abord d'avoir fait des promesses impossibles à tenir. Ce sont les champions de la divine comédie. Ils excellent dans cet art. Ils font des déclarations fracassantes à l'Assemblée, incendient l'adversaire
et 9 fois sur 10 trinquent 2 heures plus tard à la santé du peuple qui les a élus. Ils vont même jusqu'à mettre à l'Assemblée, ils sont rares, c'est vrai, des gilets jaunes. Une avant-dernière note intime. Une avant-dernière. Si vous, électrice, écoutez bien, couchez avec un député, ne passez pas vos mains sur son postérieur. Il est lisse à le prendre. Le postérieur pour une planche de fer à repasser. Pardon, pour une plane de fer à repasser. C'est glacial, sans circulation sanguine, dans sa position assise, gigotante, polie sans arrêt, sans un pli, cet endroit. Et pour terminer, mettez-le au chrysanthème le 1er novembre. Il n'hésitera pas, le grand salopard, ainsi que les chameaux, à faire le plein d'eau, bien avant, que ne coulent quelques larmes à la mémoire de nos aïeux. Je me voulais coquin ce soir. Eh bien, vous l'avez comme je le voulais vous le donner, à part quelques petites hésitations, mais quand on est amateur, on ne peut faire que des cagades par moment. Merci de m'avoir entendu et écouté, et à bientôt.